Quand de ces flots divins la grâce nous inonde, nous sommes peu touchés de la faveur du monde. Mais qu'un mortel est grand lorsque, au sein du malheur, délaissé des humains, délaissé du Seigneur, il supporte pour Dieu ce dur exil de l'âme et foule aux pieds l'orgueil qui trop souvent réclame. Est-il donc surprenant que vous soyez joyeux quand la faveur d'en haut vous rend humble et pieux? Pour tout homme ici-bas, c'est l'heure désirable. Il est doux de voguer par un vent favorable la main du Tout-Puissant et son divin flambeau, en dirigeant mes pas, allège mon fardeau. À chercher le plaisir, la nature est docile, mais s'oublier soi-même est chose moins facile. Fidèle à son prélat, le saint martyr Laurent, dans les adversités, se montre ferme et grand. Après avoir vaincu le monde et tous ses charmes, il offre encore à Dieu le tribut de ses larmes. Quand on vient lui ravir, Sixte son bienfaiteur, ainsi sur l'amitié, l'amour du Créateur l'emporte en ce héros que la grâce illumine, car il cherche avant tout la volonté divine. Sachez donc vous aussi triompher de la chair en quittant pour Jésus votre ami le plus cher. S'il advient qu'un jour cet ami vous délaisse pour supporter sans plainte un acte qui vous blesse, rappelez-vous qu'il faut tout quitter à la mort. Ce n'est point sans combat, sans un constant effort, qu'on parvient pleinement à se vaincre soi-même, à rechercher Dieu seul en tout ce que l'on aime. Quel mortel confiant dans sa propre vertu ne recourt aux humains lorsqu'il est abattu, mais un ami du Christ pour
marcher sur les pas de son divin modèle, et pour lui rendre gloire aux terrestres douceurs, préfère la souffrance et les âpres labeurs. Dieu vous verse les dons de sa magnificence, témoignez-en toujours votre reconnaissance. Comme autant de faveurs, sachez les accueillir et gardez-vous alors de vous enorgueillir. Modérez votre joie, un nouveau don céleste doit vous rendre toujours plus sage et plus modeste. Craignez d'être infidèle en la moindre action, car la paix fera place à la tentation. De la grâce d'en haut, quand vous sentez l'absence, ne perdez point espoir par votre patience. Méritez de nouveau les célestes douceurs, Dieu pouvant vous combler de plus amples faveurs. Dans les divins conseils, rien de nouveau d'étrange, les prophètes, les saints ont connu ce mélange d'allégresse et d'épreuve. À l'aide de parler, j'ai dit dans ma ferveur, rien ne peut m'ébranler. Délaissé par la grâce, il change de langage pour rendre sa douleur. Ô Dieu, votre visage s'est détourné du mien, et mon cœur s'est troublé. Mais par le désespoir, il n'est point accablé. Il prie avec ferveur au sein de sa détresse. Vers vous, Seigneur mon Dieu, j'élèverai sans cesse et mes vœux et mes. Cueille à l'instant le fruit de sa prière. Oui, le Très-Haut m'entend, il m'a pris en pitié, le ciel me vient en aide. Mais comment, grâce à vous, Seigneur, la paix succède à mes tourments affreux. Me sens abreuvé d'ineffable douceur. Mais puisqu'il est prouvé que tous les saints ont dû connaître la souffrance, moi, chrétien sans vertu, perdrai-je l'espérance lorsqu'après la ferveur je sens l'aridité? Suivant son bon plaisir, l'esprit de charité s'éloigne ou vient à nous. Job en fournit la preuve. Tout d'abord c'est la joie, soudain c'est l'épreuve. À mes besoins, hélas, qui daignera pourvoir? En vous, ô Dieu,
Dieu clément, je mets tout mon espoir. À quoi me serviront les plus parfaits modèles? Quel secours trouverai-je en des amis fidèles, en des locaux traités, en des livres pieux? Quel charme auront pour moi des chants délicieux si le Seigneur me livre à ma propre indigence? Mon seul remède alors, c'est l'humble patience, le parfait abandon au bon vouloir divin. Dans les siècles passés, je cherche mes enfants, l'âme qui Dieu parfois n'a point ravi sa grâce, qu'au sentier des labeurs on ne vit jamais lasse, qu'illumina toujours la céleste clarté, qu'elle saint fut assez pure pour n'être point tentée et son Dieu, nul ne peut être digne sans porter sur le front l'auguste et noble signe de la croix du Sauveur, car la tentation présage très souvent la consolation. C'est le juste éprouvé que le Seigneur convie à partager sa joie à l'arbre de la vie. Le vainqueur cueillera des fruits délicieux. Quand l'homme est prévenu de la faveur des cieux, c'est pour qu'il puisse un jour lutter sans défaillance. Par l'épreuve qui suit, Dieu dans sa bienveillance le préserve d'orgueil, car Satan ne dort pas et la chair vit toujours à de nouveaux combats. Préparez-vous encore, préparez-vous sans cesse pour vaincre à chaque instant.